Yo me encore de meringue, di kanyama eh. Dafa doy ñi dem hôpital di lakatu. Dafa doy ñu jël seni garab di lakatu. VIH du sida bo xamul la ciel ñu wax la. Tu es jeune, tu aimerais bien en savoir plus sur le VIH, comment ça se passe pour les jeunes qui vivent avec ce virus. Tu aimerais savoir comment ils ou elles se débrouillent dans la vie, quels sont leurs projets, leurs rêves. Et surtout, tu te demandes si on peut vivre normalement avec cette maladie. Tu vas voir que oui. Écoute. Salut tout le monde. Je suis un jeune étudiant qui vit avec sa tante et ses cousines, car je suis orphelin de mère et de père depuis mon bas âge. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple de dysfonctionnement du système immunitaire dans le cadre de l'infection au VIH/SIDA. Donc, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, le système nerveux possède un ensemble d'organes, donc de cellules qui interviennent pour maintenir. Je devais avoir 16 ans. On était en classe. C'était en cours de SVT lorsque ma prof de SVT expliquait la leçon sur le virus et leur mode de développement dans le corps humain. C'est là que, au moment où la prof devait expliquer le virus du VIH, que j'ai senti dans ses propos qu'elle avait quelque chose contre les gens qui avaient le VIH, parce qu'elle expliquait d'une manière vraiment inappropriée. Et j'étais perdu dans mes pensées et là, elle m'a surpris avec une question vraiment qui m'a vraiment étonné, qui m'a laissé sans voix. Elle m'a demandé, vivrais-tu avec une personne qui a le sida? J'étais surpris, je ne savais pas quoi lui répondre. Vu mon état, je savais ce que je vivais et c'était surtout ce que je vivais. Parce que la question avait une autre dimension, a une autre tournure dans ma tête. Pour moi, elle essayait de m'offenser et tout, de m'humilier. Mais j'ai gardé mon sang-froid, j'ai gardé mon calme et j'ai préféré esquiver la question en lui posant une autre question. Je lui ai demandé, est-ce que vous saviez que le sida et le VIH sont deux choses différentes? Et là, automatiquement, elle s'est mise en colère. Elle a commencé à me parler n'importe comment en me disant que non, c'est la même chose et que j'avais rien compris de ce qu'elle expliquait et tout. Et moi, j'ai pas préféré entrer dans les détails parce que si je parlais, ça servirait à rien et ça pouvait entraîner mon expulsion à l'école. Du coup, j'ai préféré faire profil bas et la laisser dans l'ignorance. Progressivement, et lorsque les cellules diminuent, l'organisme s'affaiblit et l'individu va être maintenant exposé à toutes les infections et va finir par mourir donc avec tous les symptômes. À la pause, elle m'appelle dans un petit coin pour qu'on discute et tout, pour qu'on s'explique. Elle m'a demandé si j'avais bien compris la leçon. Je lui ai dit oui et automatiquement elle m'a dit que non. Si c'était le cas, je lui aurais pas dit que le sida et le VIH étaient différents. Et là, je pouvais plus me retenir. J'avais plus de force, je savais plus quoi faire. Je me suis défoulé sur elle. Je me suis exprimé, je me suis bien exprimé en lui expliquant que une personne qui a le VIH est une personne normale comme les autres, qui suit son traitement, qui vit avec toi, qui vient à l'école. Une personne qui a le VIH
peut exercer le métier de professeur, une personne qui a le VIH peut manger avec toi, peut dormir avec toi, peut jouer avec toi sans que tu ne le saches s'il ne prend pas la décision de t'en informer. Alors que une personne qui a le sida, elle, automatiquement, quand on le voit, on la reconnaît parce qu'elle est allongée dans un lit d'hôpital. Elle souffre énormément et elle est en phase terminale ou en phase sida, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Après toute cette explication, toutes ces explications, et après mes réflexions, elle a compris qu'elle était dans l'erreur. Et elle s'est excusée de sa mal compréhension. Et moi, je lui ai dit que je vous respecte beaucoup, vous êtes mon aîné. Et ce n'est pas mon rôle de vous corriger devant les élèves. Si je le faisais, j'étais vraiment en colère, je ne vais pas vous le cacher. Mais si je le faisais, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Au contraire, vous allez comprendre juste la violence de mes mots, mais pas le sens exact de ce que je dis. Et c'est là où j'en profite pour lancer un appel aux professeurs. Je vous demande, s'il vous plaît, avant de faire un cours, avant de donner une leçon, renseignez-vous bien, cherchez les bonnes informations. C'est l'idéal, parce que on vit dans un monde où tout le monde peut avoir sa place si tout le monde arrive à comprendre l'autre. On peut vivre avec le VIH sans jamais avoir le sida si on se soigne bien. Être infecté par le VIH n'empêche pas de se projeter dans la vie, ni d'avoir des rêves et de l'ambition. Changeons le regard que nous portons sur les jeunes vivant avec le VIH. VIH du sida. Bo xamul la ciel ñu wax la. Domi jangoro sida du sida. L'association Réseau Convergence des Jeunes est là pour soutenir les jeunes et briser l'isolement. Cette série de podcasts est proposée et réalisée par l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et le Réseau Africain pour l'Éducation et la Santé, l'ORAS.